Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incroyable parcours de l'entraîneur de football italien, Maurizio Sarri. Durant cette vidéo, nous allons aborder 4 points différents. Sa vie avant le football, sa carrière d'entraîneur, ses déclarations sur ces deux éléments, et enfin, les traits importants qui façonnent son personnage. Maurizio Sarri est né le 10 janvier 1959 dans le district de Bagnoli à Naples en Italie. Il vient d'une famille moyenne dirigée par son père qui était autrefois ouvrier du bâtiment pour Italsider, une entreprise sidérurgique italienne. Il a grandi dans le quartier Filgline Valdarno, situé dans la province de Florence. Enfant, il s'intéressait principalement à ses études et au football. Il étudiait beaucoup, si bien qu'il a obtenu un poste de banquier dans la célèbre Monte di Paci Banca di Siena, en Toscane, après beaucoup d'efforts. Avec son poste, il continuait quand même d'entraîner à un niveau amateur. Mais c'est bien son travail à la banque qui va l'emmener à voyager hors de l'Italie, en travaillant notamment à Londres, à Zurich et au Luxembourg. À l'époque, il travaillait à la banque le matin, puis il entraînait une équipe amateur l'après-midi et le soir. Les années passent et en 1999, à l'âge de 40 ans, Maurizio Sarri décide de quitter son emploi à la banque pour consacrer toute sa vie professionnelle au football et donc au métier d'entraîneur. L'Italien, bien qu'ayant raté sa carrière professionnelle de joueur de football, a commencé sa carrière de coach à temps plein avec le club de l'AC Sansovino Football Club, situé à Monte Sansovino en Italie. Après avoir successivement entraîné en 5e, 4e et 3e division du championnat italien, il devient pour la première fois entraîneur d'un club de série B lorsqu'il est nommé coach de Pescara le 9 juin 2005. Pour cette première expérience en 2e division, il obtient le maintien à 3 matchs de la fin du championnat. En ayant entraîné divers clubs de Lega Pro et de Serie B durant plus de 8 ans, il est nommé le 25 juin 2012 entraîneur d'Empoli, qui évolue alors en Serie B. À l'issue de la saison 2013-2014, Empoli termine 2e du championnat et est promu en Serie A, le plus haut niveau du football italien. Sarri effectue donc ses débuts d'entraîneur en Serie A à 55 ans, lors de la saison 2014-2015 au sein du club toscan. Suite à une excellente première saison à l'issue de laquelle Empoli termine en 15e position avec 42 points, il se fait rapidement remarquer et démissionne de son poste d'entraîneur et rejoint le Napoli en 2015. Après 3 belles saisons à Naples où il se révèle aux yeux de l'Europe, il quitte pour la première fois l'Italie et rejoint Chelsea. Avec une première partie de saison compliquée, il redresse la barre et finit la saison 2018-2019 en apothéose par le titre de Ligue Europa. Il s'agit du premier titre majeur de sa longue carrière et cela représente beaucoup pour lui. La manière dont il regarde sa médaille est devenue une image emblématique de ce moment magique. Certes, ce n'est peut-être pas une explosion de joie, mais on peut quand même ressentir toute sa satisfaction contrôlée. Enfin, l'année d'après, il se retrouve à la Juventus de Turin, qu'il définira comme le couronnement de sa carrière. Il remportera le championnat d'Italie en 2020, mais sera malheureusement limogé après l'élimination en 8e de finale de Ligue des Champions face à Lyon. Sur son ancien travail, l'entraîneur avait déclaré « À l'époque, je m'occupais d'échanges, des finances interbancaires. J'ai travaillé à Londres, en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg. Je manœuvrais des dizaines de millions. J'étais bon et j'avais un bon salaire. Je pense même que j'aurais fait une belle carrière. » Cependant, il a quand même jugé important d'apporter cette nuance. Mais entraîner était infiniment plus beau. En 2001, j'étais à Sansovino et j'ai compris que je ne pouvais passer le cap que si entraîner devenait mon activité principale. Surtout, je n'en pouvais plus d'aller au bureau et d'attendre avec impatience qu'il soit 17h pour pouvoir me barrer et aller sur le terrain. Enfin, sur son ascension, il a déclaré « J'ai eu des hauts et des bas en tant qu'entraîneur, mais j'ai à chaque fois progressé. Le pas n'a pas été facile à franchir, mais j'y suis parvenu. De toute façon, je ne vois pas la Serie A comme un accomplissement. Mon vrai objectif était juste de faire de ma passion un métier. Et j'ai réussi. J'ai choisi le seul métier que j'aurais accepté de faire gratuitement. » Pour conclure cette vidéo, nous allons parler des faits marquants de Maurizio Sarri. En effet, il n'est pas imprudent de notifier qu'il s'agit d'un vrai personnage, qui vit ses matchs et son quotidien avec passion. On peut commencer avec un fait très rapide et dire que Maurizio Sarri est quelqu'un d'assez stressé et qu'il est par conséquent un très gros fumeur. « Je fume 60 cigarettes par jour », avait-il déclaré à un journal italien. Ensuite, nous pouvons parler de l'anecdote lors de son passage à Naples. Avant un match à domicile et en pleine séance vidéo, son défenseur central Kalidou Koulibaly sort car sa femme n'arrête pas de l'appeler sur son téléphone. Elle est sur le point d'accoucher. Le joueur va donc prévenir Maurizio Sarri qu'il doit partir, mais celui-ci s'y oppose en indiquant qu'il a besoin de lui le soir du match.
Koulibaly ne tient pas compte de sa remarque et lui indique qu'il va partir, peu importe les sanctions possibles. L'entraîneur italien, après avoir réfléchi et fumé quelques cigarettes, lui dit « Ok, tu peux aller à la clinique, mais tu dois être de retour pour le match de ce soir. J'ai besoin de toi, Kouli. » Koulibaly a assisté à la naissance de son enfant et il a aussi obtenu la bénédiction de sa femme pour aller disputer son match le soir. En arrivant, il se prépare à jouer et Sarri montre la composition du soir, mais le défenseur central n'y est pas. Stupéfait, il demande alors des explications à Maurizio Sarri et celui-ci lui indique qu'il avait certes besoin de lui, mais sur le banc de touche. Enfin, nerveux et impulsif, le technicien s'est fait remarquer par ses coups de sang, comme cet exemple en finale de la FA Cup avec Chelsea. Alors que le gardien de Chelsea, Kepa, se plaignait de douleurs musculaires, le coach avait fait le choix de faire rentrer un autre gardien. Kepa, refusant de sortir et donc contestant le choix de Maurizio Sarri, a suscité une rage incontrôlée de son entraîneur italien. Le monde du football a donc pu assister à une scène encore jamais vue au niveau professionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, ça ferait très plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt!